Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 24 au 30 juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre les messages qui vous sont adressés et les énergies qui vont vous traverser pour cette dernière semaine du mois de juin. Ensuite, juillet arrivera et nous serons bien entrés dans l'été. Amis Capricorne, on va y aller. Énergie de cette dernière semaine du mois de juin. Du 24 au 30 juin. La maison, foyer et la terre après l'aventure du sud. Maison, foyer, carte numéro 15. Prenez le temps de vous ancrer. La terre est notre maison et nous faisons partie de la nature. Faites tout ce que vous pouvez pour prendre positivement en charge le monde qui vous entoure. Veillez sur votre corps et sur votre maison. Mes amis Capricorne, on va aller voir la petite phrase qui donnera le ton à cette dernière semaine. Amis Capricorne. Oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherchais une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. À présent, votre énergie majeure. Semaine du 24 au 30 juin, amis Capricorne. Le magicien et le pape. Tout est possible, tout est réalisable. Vous avez peut-être la sensation que cette fois-ci, cette dernière semaine va vous donner des outils. Qu'allez-vous en faire? Peut-être concentrer quand même sur ce qui vous est cher. Retourner des situations qui sont peut-être un peu compliquées pour essayer d'en faire quelque chose de joli. Tout est possible, tout est réalisable. Après, des énergies de pape. Donc quand même sur quelque chose qui est très officiel, très cadré. Des promesses que vous avez pu vous faire, vous avez pu rentrer dans de nouvelles énergies, de bonnes intentions là. Des énergies d'ouverture, tout est possible. On est lancé, on va aller voir. Trois cartes amis Capricorne pour cette dernière semaine. Le jugement à l'envers, la tempérance à l'envers. Les amoureux, vous avez un doute, un gros doute sur la suite pourtant. Les amoureux à l'envers, la 10 d'épée à l'envers. Bon, et après vous accompagnez le mouvement, donc c'est parti, reine de bâton. Alors effectivement, il y a quelque chose qui change. Vous avez peut-être un peu peur de ce qui change. Bon, mais vous êtes quand même capable d'accompagner ce mouvement-là. Vous avez tous les outils pour transformer la situation. Oui, vous allez dans la bonne direction. Oui, vous essayez, vous allez être capable de gérer ou de prendre soin de ce qui vous est le plus cher. Le jugement, il y a quand même une difficulté à comprendre quelque chose. Alors, il y a peut-être effectivement avec les amoureux dans une direction à prendre. Vous savez qu'il faut faire quelque chose. Je pense que vous n'avez pas spécialement envie ou vous n'avez pas envie de comprendre qu'il faille tout de suite faire quelque chose par rapport à ça. Il y a une leçon qui n'a pas été comprise et qu'on va vous remettre sur le bout du nez, ami Capricorne. Il y a quelque chose que vous pensiez régler et qui ne l'est pas. Il va falloir y revenir. Si vous ne comprenez pas pourquoi il va falloir y revenir, ça va vous revenir comme un boomerang de manière régulière. Donc, traitez le problème et puis après, c'est bon. Accompagnez le mouvement et ça va aller. Le problème sera réglé. Mais il y a comme l'idée que vous aimeriez freiner un petit peu des cas de fer par rapport à ça.
Cela dit, là, on vous dit cette semaine, la leçon n'a pas été comprise. Donc, on va réapprendre la leçon ensemble. Les énergies vous disent, on est reparti. Apparemment, ça n'a pas été intégré. On va aller voir. Vous avez tous les outils. On vous donne tous les outils cette semaine. Donc, émotionnellement, ami Capricorne, Reine de coupe, Valet de coupe, alors ça touche peut-être à vos enfants. Effectivement, l'empereur, le diable. Alors, vos enfants, l'enfant des autres, une énergie peut-être plus immature par rapport à quelqu'un qui essaye de bien faire, une énergie maternelle, un problème par rapport à une énergie très masculine et d'autorité vous pensez que cette personne a le contrôle sur une situation, peut-être par rapport à vos enfants. Il y a des vieux réflexes qui peuvent remonter d'autoritarisme, qui peuvent vraiment vous... Voilà, revenir sur ce sujet-là. Qu'est-ce que vous ne voulez pas lâcher par rapport à l'image que quelque chose représente, que vous représentez par rapport aux autres, dans un pouvoir, dans une autorité. Ou alors vous avez un problème avec quelqu'un qui gère très 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 mal son autorité et qui peut devenir problématique quand même. Caractériel, dictatoriel, un peu compliqué. Là, il y a quand même quelque chose à laisser couler par rapport à ça. Peut-être parce que tout à coup, il y a une fragilité émotionnelle au niveau de votre pouvoir féminin aussi, ou d'une personne féminine, ou d'une sensibilité à vouloir bien faire. Qu'est-ce que vous êtes vraiment capable de faire? Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire? Est-ce que c'est vraiment grave que les gens voient que vous n'êtes peut-être pas totalement capable de faire à la manière d'un empereur, mais que vous pouvez faire à la manière émotionnelle aussi? Et ça peut aussi être, c'est peut-être moins glorieux, mais c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus juste. Il y a l'idée d'afficher une fragilité, une sensibilité, une émotivité. Vous avez aussi peut-être quand même un souci avec une énergie maternelle par rapport à des enfants. Pour des questions d'ordre de séparation, par exemple, là, ça peut être un peu compliqué aussi. C'est quelque chose que vous n'avez pas encore... La leçon n'a pas été comprise, vous allez devoir y revenir. Il y a quand même l'idée d'accompagner une déstructuration plutôt que de lutter contre, d'accompagner ce qui est en train de se passer plutôt que d'aller contre. L'image que vous représentez, un pouvoir d'autorité, quelqu'un qui a une autorité sur vous mais qui commence à vous pomper l'air fortement alors que vous, vous avez juste envie de prendre soin de vous, de partir dans la bonne direction, de faire vivre votre émotionnel. Aussi, on va aller voir les Capricornes. Hop là, hop là, hop là, on va y arriver. Arrêtez de se laisser brinque-baller. 6 de denier, le chariot. Les célibataires, Capricorne célibataire. Trois d'épée. La réalité qui n'a pas marché. Ouh. Et puis en plus, sur quelque chose qui devrait faire sens, une valeur, la morale, quelque chose qui aurait dû être juste et qui ne l'est pas. Faire avec une blessure, la blessure de trahison, d'abandon, quelque chose d'humiliant presque. Alors peut-être que c'est ce qui se rappelle à vous, hein. Et là, il y a moyen quand même de transformer quelque chose par rapport à ça. Parce que ça pourrait remonter comme une souffrance, comme un réflexe. La réalité qui n'a pas marché, la blessure profonde... réveille en vous quelque chose, en fait, cette semaine. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Trois de coupe. Alors vous êtes plutôt... la justice, la reine de bâton, voir la vérité en face. Alors sur du relationnel, sur une triangulaire effectivement, sur l'idée de créer quelque chose relationnellement avec des énergies tierces. Donc peut-être avec les ex aussi, ex-compagne, ex-conjoint.
D'essayer de créer quand même quelque chose de léger, de positif, de joyeux. D'arriver à combiner ces énergies-là pour faire quelque chose de plus simple. On va aller voir les Capricornes en couple. Quatre de deniers. Alors vous avez vraiment envie de vous hyper sécuriser, rien lâcher par rapport à des engagements. L'idée qu'il y a quand même quelque chose qui a pu être important, mais il y a vraiment la peur de prendre des risques. Alors peut-être parce que vous avez vraiment peur de prendre la bonne direction, d'aller dans la bonne direction, de se vous confronter à cette énergie d'empereur avec l'énergie du diable. Financièrement, c'est peut-être un peu risqué aussi. Qu'est-ce que vous n'osez pas lâcher de quelque chose? Est-ce que c'est vraiment si important? Est-ce que c'est pas quand même suffisamment stable pour que vous puissiez vous détendre? Lâcher des choses quand même par rapport à ça, mes amis Capricorne en couple. Il y a quelqu'un qui lâche rien. Est-ce vraiment important de rien lâcher dans cette situation? On va aller voir Capricorne matériellement, concrètement. Donc 10 d'épée, 8 d'épée. La grande prêtresse, la 5 de coupe. De bâton. Il y a quelqu'un qui exige des choses. Ça peut être un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. On a quand même deux fois la reine de bâton. Bon, je pense que quand même l'idée c'est d'arrêter avec un système. 10 d'épée, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On a fait 1000 fois le tour de la question. On vous en remet une couche parce que vous n'avez pas compris la leçon. La grande prêtresse, il y a quelque chose qui est tenu secret. Il y a des vérités qui doivent être révélées, possiblement. Il y a quelqu'un qui cache des choses. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans une assurance au niveau de l'ego. Donc, c'est compliqué ce qu'on veut, ce qu'on exige. Il y a quelqu'un qui voit ce qui se passe, qui comprend ce qui se passe, mais qui ne dit rien. Et il y a quelqu'un qui est vraiment trop dans l'excès, par contre, au niveau de ce qu'elle veut obtenir ou de ce qu'il veut obtenir. Ça peut être un homme aussi, cette reine de bâton. Il y a une juste balance à faire quand même, hein, entre quelque chose qu'on cache et quelque chose qu'on veut représenter. Pour des notions de triangulaire aussi, ce qui est caché là, c'est peut-être pas forcément la bonne idée jusqu'au bout. Vous avez toutes les cartes en main pour changer cette situation. En fait, l'idée générale, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. On va vous le resservir. Peut-être de manière très peu agréable parfois, et jusqu'à ce que vous compreniez qu'il va falloir lâcher quelque chose et accompagner une déstructuration pour que ce soit beaucoup plus simple en fait, pour que après les choses soient simplifiées dans votre vie. Mais là, il faut arriver, vous êtes arrivé au bout d'un système. On va aller voir le conseil. Un conseil à mes Capricornes sur ces énergies. Roi de denier, le soleil. Bon, vous avez les capacités, les responsabilités, le pouvoir de changer les choses. On peut avoir un signe de terre, vous donc, qui pourrait être représenté le mieux possible avec l'énergie du soleil. Vous n'êtes peut-être pas un empereur, mais vous pouvez être un roi de denier, c'est-à-dire être dans la matérialité et savoir faire avec ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que si on vous enlève cette énergie d'empereur un petit peu, cette image qui peut être une autorité, quelque chose que vous fixez comme but, une représentation, de vouloir avoir le contrôle sur une situation, d'être un petit peu dictateur, dictatorial d'un certain côté, ou souffrir d'une personne d'autorité comme ça, revenir à quelque chose de moins, c'est pas forcément mal.
L'idée de la maison de Dieu, c'est qu'il faut déconstruire quelque chose qui n'est pas solide. De toute façon, les bases n'étaient pas solides pour aller sur quelque chose de plus solide. Ça sera peut-être plus petit, mais ça sera peut-être mieux. Et en plus, vous pourrez profiter vraiment pleinement de cette abondance, de ce que vous allez créer dans ces énergies-là. Roi de denier, on est dans la matérialité. On prend soin matériellement de soi, de ce qui nous est cher, de votre corps, de vos finances, dans la réalité, pas dans une image de. En fait, mes amis Capricorne, on va aller voir vous serez beaucoup plus charismatique en roi de denier qu'en empereur caractériel pour certains Capricornes. On va aller voir le petit message pour vibrer bien plus haut. Je suis dans un cycle inépuisable de créativité infinie, mes pensées sont divines et inspirées et ma parole agit telle une baguette magique. Comme le magicien, vous pouvez tout changer. Ma vie est extraordinaire, et oui, les mots-clés sont créativité, magie et le merveilleux, abracadabra. Je vous souhaite, soyez le magicien de votre vie, ami Capricorne, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.